que nous allons donner la parole au médecin de garde hier. Il va essayer de faire une situation, mais ce n'est que provisoire, parce qu'il paraît qu'il y a d'autres blessés qui sont encore derrière, qui arrivent. Mais ça, c'est que provisoire, mais nous allons quand même vous donner au moins les chiffres à peu près de ce qui s'est passé hier. D'accord, docteur. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Il y a eu deux accidents de circulation en provenance de Guédou et de Bola. Parmi ces accidents, il y a eu 37 blessés. 3 en provenance de Guédou, les 34 en provenance de Bola. Et parmi les accidentés, il y a eu 6 morts du dépôt de corps. Donc, une avec 6 morts à l'hôpital régional. Parmi, tous les 6 morts là sont parmi les 34 de Bola. Et parmi les morts, il y a 4 femmes, dont une femme en grossesse, un homme et un bébé d'un an environ de sexe féminin. Vraiment, c'est ce qu'on a pu enregistrer. Mais les morts ne sont pas d'abord identifiés parce que les parents ne sont pas arrivés. Docteur, c'est de Tarifa. La situation des blessés, de nos jours, les blessés, vraiment, les blessés graves sont hors danger. D'autres ont été hospitalisés à côté, d'autres sous nos jambes. Là, on ne connaît pas ce qui se passe à Béké. Je vous parle de l'hôpital régional. À quelle heure vous avez reçu les blessés ici? C'est dans les bandes de 21h. 21h, 22h, on s'appelle la réussite. Merci.